Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Sam, vous tirez dans tout un quartier, vous fermez un géo. Mon quartier privé d'Elma 32, je tiré et je dit que tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain résultat, il y a eu plusieurs cadavres à terre. Il a tiré et tout, tout près de la caillou, deux journalistes. L'un relé Diego Charles, l'autre la relé Antoinette Duclerc. Et en réalité, nous avons dit deux journalistes qui ont mouru dans le contexte où vraiment nous avons dit Zaklan lui-même, c'est pour ça que nous capable d'hésiter, nous qualifier dans un terroriste. Dans le sens que les gens qui font crime ça, c'est une série de monde qui tirent capable de mettre terreur dans la population, pour nous prendre le mot, secrétaire d'État, sous pas et pour capable de déstabiliser tout système social là, système sociopolitique là, c'est sa définition et terroriste là, et tuer, et depuis le là, nous avons gagné en plus famille qui a crié. Nous avons famille Timon Sayo a crié, famille Antoinette Duclerc, qui est les nous avons famille Diego Charles a crié. Nous, la presse a crié, nous suivons toute réaction qui fait dans la société, hein, qui réprouve, qui condamne ça qui fait là. Nous, toute association média, nous suivons toute réaction au fait. Nous suivons réaction de tout journaliste, surtout, qui est extrêmement choqué. Et secteur culturel, secteur artiste qui est choqué. Nous suivons toute honnête qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, si ça ne l'est dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, tout de suite, tu as gagné une réaction, d'ailleurs, le secrétaire d'État a fait une première réaction, et le Premier ministre a réagi, hein, côté il a publié un communiqué de presse un matin, et là, il a condamné avec véhémence action ça, action abominable ça, et il a employé l'expression violence aveugle qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque deux mercredis. Mais le conseil qui était fait hier, là, mercredi, hier mercredi, hein, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui était fait à midi et qui était convoqué justement sous sujet d'Elma 32. Hein. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question. Sanitaire là dans le pays hein. Et sous question sanitaire là dit toujours important faut pas oublier que question sanitaire là lui-même tout c'est une crise je dis en d'Acadie qui menace le monde entier faut toujours rappeler ça qui menace toute planète là et qui menace nous en Haïti côté je dis on a franchi cap 18 500 cas confirmés et côté tout n'a quitté cap 400 morts, n'a rentré 400, 450 et presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave, nos sociétés qui sont déjà traumatisées. Donc en ce sens, hier, Conseil des ministres qui fait hier là, l'été comme mesure concrète, reconduit état d'urgence sanitaire là pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que population l'y calmer par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait lui, notamment au niveau loisir, au niveau culture, actions qui fait que mondain, côté nous tous nous réunis sans masque, et côté nous tous nous fêter comme si de rien n'était. Je dis, hein, ma partie, attention nous, que Martin va m'arriver là d'ailleurs, ma pli, le Covid là pour qu'on quitte. Gagner, par contre, si c'est troisième, il commence à parler de quatrième vague. Et en Europe, déjà, la situation est annoncée très délicate. Il y a un dernier variant, les Delta, qui a fait des dégâts. Et donc, pas oublier, Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète. Et donc, en ce sens, quel que soit ce qui passe en Europe, en aide, et quel que soit parti sur la planète, la faune toujours préparée, nous, il est capable d'arriver à Haïti. Donc, en ce sens, arrêtez qui reconduit, hein,
ils sont arrêtés qui prennent par rapport à la dernière évolution sanitaire, hein, mais ils sont arrêtés tout qui anticipaient sous évolution possible. Parce que l'été en Europe, l'été dans le monde, il annoncé très difficile. Donc il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé, c'est le massacre et attentat terroriste qui fait dans les matins de hein, sujet ça, il est très clair pour la population qu'on est qui s'allie. C'est un attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre, il a fait une deuxième note, côté, il dit que le premier élément enquête qui est diligenté par la police nationale, révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, défini pour nous, ça a révélé un attentat terroriste. Un attentat terroriste, c'est un attentat côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. On a un paquet de conventions internationales qui définissent ça un attentat terroristier, ça un acte terroristier et qui traitait même question financement terroriste. Monde qui derrière Maraï Sao et quel que soit côté sous la planète là. Donc, Martin, nous avons dit, puisque nous t'es mobilisé depuis hier, le Premier ministre, le Conseil des ministres, et donc Martin Gagné au CSPN, le DG de la police nationale, qui fait une intervention hier, où il était très clair, non pas dit ça, il dit, mais on croit que je vous dis, il a peut-être des éléments dans sa dédiée que la comprenne, mais peut-être tout que l'a avancé un peu plus pour aider la population à comprendre. Ça qui passait dans Delma 32. Et quel que soit Jean Virel, moi-même, moi toujours retourné à valeur nous, valeur morale nous, que la paix du jeudi. Hein. Valeur, conscience. Et grand philosophe qui est le Diderot, pour me finir. Et avant, nous passer PM, non. Ils vont côté le parler de la conscience. Ça veut dire, monde qui prend un ZAM, ça, qui exécute tête journaliste, qui exécute population un jour soir, monde ça, quel que soit côté là, les, ils vont bagarre cap suivre, qui est de la conscience. Merci. Donc, en ce sens, n'a pas le Premier ministre parler pour lui-même, lui prononcer pour la première fois d'ailleurs, après deux notes, sous ça qui passait dans Delma 32. Merci, Pierre. Merci, ministre. Merci à tous les journalistes qui déplacés pour la conférence de presse ce matin. Même j'ai un pile monde dans la population, hein? Même j'ai un pile secteur qui parcourt la violence pour résoudre le problème politique. Gouvernement intérimaire que m'a dirigé, hein? Président de la République là, nous consterné par l'action ça. Nous consterné devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui bat tête sur nous, Fantôme 509, dans la nuit 29 pour arriver. 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Christoua. Groupe terroriste qui est le tête Fantôme 509, tous les plus passés 10 citoyens paisibles, pour nous piquer environ 15 mounes dans la zone Delma 32 à Christoua. Nous coupons bien bas devant les amis et famille victimes. Nous connaissons là-dedans une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclair. Et un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse, ça t'a triste en pile. Si m'te permettre, chaque grand monde, chaque monde qui est victime, on s'en mieux vient parler de yola. Chaque monde qui mourit,
si vous avez un grand monde qui vient parler de vous dans la conférence, vous allez comprendre peut-être. Niveau, dimension, drame là. Mais comme pas de logistique appropriée pour ça, quittez moi-même, comme premier ministre, je parle nous de l'une ou de la d'ailleurs que nous connais. Antoinette Duclair, que tout le monde connaît sous nom Netty. C'était Zamine. C'était plus que Zamine. C'était une sœur. Il n'a jamais hésité au moment. Pour moi, il est dans le même secteur politique avec eux. Pour dire Claude Joseph, c'est Zamine. Moi qui est ministre des Affaires étrangères, là, c'est Zamine. Moi qui est premier ministre à IA, c'est Zamine. Youn respecte l'autre. Youn respecte l'engagement l'autre. Parfois, Youn farouche l'autre. Sous position politique, yo. Youn discute avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Netty, c'était une personnalité transversale. Netty, c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans sa la gourmet contre lui. Nous pas toujours partagé même l'idée, mais Netty était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le premier ministre. Diego Charles, grâce à Netty Duclair, nous avons gagné au niveau d'amitié. Pas gagné plus pas une semaine, nous étions ensemble, la caille moins, la résidence privée. Nous ne pas trouvé. Ça t'a fini. Chaque monde qui vient ici connaît son ami authentique. C'est un bon ami. Étape du en pile. Que Netty t'a mouru comme ça, et crime ça, que théoricio commette là, t'a été impuni. Tout le monde qui mourit, dans la nuit 29, pour vivre 30 juin, nous allons nous garantir que nous avons été impunis. Nous voulons dire ça clair. Depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays,
parler. Qui ne parle de aucun côté. Nous tuer, nous brûler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait c'est avec violence et qui a imposé volonté. Nous tournons en PRA, nous sautons parler à président, nous tournons docteur, nous tournons paix, nous tournons pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique d'un secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodia. Pas de parlement, t'es un gouvernement haï. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joue une solution. Il a tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAELI. Dans le jour qui était 1er mars 1999. Là. OPL, pour aller retirer la négociation, il pourra dire pas négocier sous 100 sénateurs de tout hier. Mais l'histoire va dire non, comment sénateur ça a été mort, qui est-ce qui était tout hier pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'Union nationale. 3 avril 2000, pendant que pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Phosphère Noyau, la guise Jean-Dominique a été. Je ne dis pas, pendant un rapport où il a sorti, pendant la possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sortit dans le consensus, dans la tête qui a un premier ministre définitif, Phosphère Noyau a décidé de mettre des deuils dans la population. Nous condamnons Zach Sayo, et j'en souhaite dit tout à l'heure, Zach terroriste, dans la nuit 29, pour arriver 30 jours, pas prêter un pays. Le passé DGPNH, qui a présenté Fayo, et de ça qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29, pour arriver 30 jours, qui se passait là. Merci. Merci beaucoup, OPL. À profiter de l'opportunité ça pour me présenter ce parti à tout journaliste qui l'a eu, qui a perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans pas rentrer dans trop de détails, pour ne pas nuire, déroulement enquête là. Mais nous allons dire exactement la position de la police là sous action criminelle. Ça. Même à profiter pour me dire, depuis quelques semaines, la police elle-même en tant qu'institution, c'est sur attaque bandit. Nous avons dû deux inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent, n'a pas cherché quoi. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17 ex-policier, il a été assassiné dans le 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener l'enquête, chercher mon qui concerné et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement,
Pendant que la police a mené enquête, a vérifié ce qui s'est passé, syndicaliste, dans la matinée du 30 juin, de minuit à une heure, des bandits, assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation yo, dans la zone de la caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est des alliés de Gerbi Geffroy qui concoctaient, tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, il y a certains là-dedans qui étaient identifiés, mais ils paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que tu es bar, côté mon yokon, et à belle activité au nuit. Et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le mouvement ça. Il est sorti sous des matins 3, il est rentré dans des matins 2, il est rentré dans la rue des Salines, spécifiquement côté. Allié yo te assassiné, yo balayé moun, yo progressé dans les matins 2, viré dans Ouya Kassia, c'est là, bab pour bab, yo rencontré avec journaliste là et collègues. Yo assassiné yo, il est Jean Gadi, Jean Corrier. Apparemment, ils ont identifié assassin et ils ont exécuté au final. Ça qui passe là, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler rapidement qui est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc, monsieur Sayo, armé, en uniforme, qui prend habitude ou à terroriser la population. On ne songe qui s'est passé dans le ministère finance, le ministère justice, FAES, dans toute la rue pour au presse, nous-mêmes en tant que journalistes, paisibles citoyens depuis 500 ans dans la rue, tout le monde peut. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, il faut une campelle. Effectivement, on a mesure pour une campelle. On nous songeait ça passé 7 février 2021, côté même élément ça, assassiné, policier SWAT, Patrick Anouzard. On nous songeait ça passé le 22 mars. Pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mois en ville. Ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludo. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup d'essai. La police a suivi. Et c'est un adhérent qu'on prend déjà. Mais crime qui est causé, qui est perpétré dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, Batchem, pensais que des citoyens haïtiens étaient capacités pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi. Ou assassinat fait au lieu de quitter la justice fait travail. Nous bah tête nous justice. Même si tête nous la police là, pays, communauté internationale, pas pressé nous, moi même en tant que commandant chef,
avec toutes dernières ressources que j'ai gagné, tout temps que j'ai gagné, toute information que j'ai collectée, m'a privé sur nous. Moi j'ai pour devoir, moi j'ai pour devoir pour me stopper ce bain de sang. La fin, nous commençons déjà, quel que soit côté dans le caché, sous planète là, dans petit espace que nous gagnons en tant que pays, comme citoyen, nous devons faire travail là pour nous donner une réponse. Et nous disons, il y a des gens qui disent, pour qu'ils soient rapidement, la police vient d'identifier l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus. La police a suivi. La police a continué à suivre. Pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire-là, pour la police avec moyen de gagner, accompagnement, gouvernement, à Bali, continuer à Bali, appuyer la population, pour nous dire ensemble, en tant que société, ce n'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays que chaque citoyen qui a vagué à l'occupation. Le rôle de la police, c'est protéger et servir. Même dans les conditions les plus difficiles, policiers, c'est dernier monde qui peut camper. Policiers, comme premier protecteur du citoyen, ils sont aussi campés. Et en tant que commandant-chef, tout autant qu'il y a une grâce à ce dôme, par un dôme, n'a pas collecté des informations pour que nous baillons famille des paysibles citoyens qui tombent, justice, traquer nous, remettre à la justice. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde de la pression. Alors, nous comprenons les émotions PM. Non? Parce que c'est deux personnes qui ont été connues, qui mourent dans la condition de mourir. Et les trouver dans une position de responsabilité, côté de l'obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, à toute autorité qui est côté pour la justice agir. Il y a un peu de travail qui attend toute équipe qui est derrière nous, avec nous. Donc, nous apprenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNA, toute équipe, a pile un peu de travail qui attend nous, et la police a une enquête qui a avancé. Nous apprenons une question de Viviana pour nous finir. On entend des questions concernant. Si PM nous voulait faire des dérogations par rapport à ça, le dit à la fin, dans le cas contraire, nous avons toujours fait le constat. On entend des questions. Bonjour à nous tous, moi-même, je ne suis pas ministre de la Défense, nous ne sommes pas habitués à parler, disons, en public, c'est parce que le nom de notre travail, c'est plutôt dans discrétion que moi travaille. Mais je dis à nous comprendre l'émotion au Premier ministre là, et nous allons répondre pour, à la question qu'on posait sur pour qui raison, qui s'est expliqué qu'après moins de 24 heures, nous avons connu qui est-ce qui commet et tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition que nous avons. L'on tuerie en masse fait comme ça. Nous connaissons que son, nous qualifions d'abord son bagage terroriste, puisque il est aveugle, il frappe. Et il tente pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour que
ça que nous connaît parce que justement, nous éléments d'enquête qui fait qui mène rapidement auprès de monde qui victime de famille de monde qui était dans zone côté oya parcours que nous fait permettre nous reconnaître nous comprendre qui ça qui groupe qui derrière attentat ça qui fait tout qui groupe qui derrière action massive ça et quoi que le directeur général de la police là soit dit nous il est difficile pour haïtien pour nous même pour nous comprendre comment des individus, comment des nous sommes des êtres humains capables aussi brutales, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans âme, sans rien, froidement, lâchement, autant de mondes comme ça. Et nous, qu'on est qui nous qui est habitué à faire ça, nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda par nous. Ce travail pour la population, ça service qu'il méritait, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout même, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe là. Et c'est ça qui permet que je dis, ah oui, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaître qui nous, qui derrière, qui groupe, qui est derrière l'action, ça, que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Et bon, fait, on a un jour pour la réponse. Moi, nous sommes une gamme lit en pile, puis vos patients, c'est lit. C'est bon, livre nous appelons sous communication. Donc, voilà, les réponses sont liées à métier ou à exercer là dans les médias, dans la presse. Une définition livre ça qu'il y a média à communication quoi c'est histoire de communication bien qui est lié dit une communication c'est monio qui remet fait action d'éclat c'est comme ça on définit un terroriste c'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat ça veut dire action fait à fond clash paf pour tout Noël c'est premier bagaille et puis du terroriste là son nèg tout qui remet communication il remet média et livre ça c'est un livre qui t'apprend phénomène 11 septembre qui était fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis en 2001 côté ou après il montrer comment nèg qui fait zak ça son nèg qui remet la presse parler de lui et c'est dans ce sens ça d'ailleurs livre ça son livre extrêmement moral sous moral qui gagne dans la presse il dit le métier de la presse jodia nous pris en otage l'autre jour m'a regardé deux actions violentes de âmes et toutes médias couvrir en direct. Je dis en pas au monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous ne rendons nous compte. Sans nous rendre nous compte vraiment, la presse a une grande responsabilité de jouer, sans nous rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sous planète là, ils aiment la communication, ils aiment la presse. Je ne vais pas donner un exemple en Haïti. Mais ce Sam Kadjou, différence qui est un terroriste universel. Dans tout pays, le gros acte violent qu'on s'est fait, nous avons quatre caractéristiques terroristes là, nous identifions, nous disons c'est Fell. Par contre, si nous sommes ça, tout pays, mais en Haïti, terroristes pas nous lâchent. Ils ont tué, ils ont glissé quand ils ont fait noir, et puis ils ont compris les personnes d'ailleurs. Et puis, dans ce doute à pour nous, d'abord, qui ont avec les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français, et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et permettez-moi d'autoriser nos grandes deux questions. Et mon confrère de Nouvelis, ensuite notre Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour. Question de c'est pour vous dire que général de la police, c'est Jean-Luc Mancelin, mon travail avec Magic 9 pour le Nouvelis. Nous sommes sceptiques, monsieur le directeur, et avec la visite que conclut que c'est Fadon 69 qui derrière attaque de notre MDA. Est-ce que des mots verbalistiques ou des spécificités de nos opératoires attaques là que nous sommes capables de lire avec Fantôme 69 ou de nos rapports de témoins ou de nos renseignements qui fait que nous dit c'est Fantôme 69, partisan de la Jifroi qui doit attaquer de notre monde et qui soit. Et de deuxième question, qui fait expliquer que Dominique Zam fait tout ça dans le monde et rentrer la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté préfixe de la directeur général. Merci. Merci. Maintenant, deuxième question, et puis, responsable François Lépon, Amélie Baron.
évidemment pour AFP et RFI, une célérité, une enquête là pour ça qui t'est passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui t'est passé la Saline, de l'air. Côté enquête pour ça qui passé courir encore sur ma piscine depuis 1er juin. Côté toute enquête sur Cité Soleil. Côté pile à pleurer depuis pile l'année. Merci. Merci pour question. On a fini avec le monsieur, DG la police là. Sous question qui vient pour comment faire rapidement, cibler, identifier, j'ai envie de dire là, c'est premier élément en fait que nous disons qui permet de nous mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Dans mon petit temps, pour confirmer, ça nous a avancé en tant que monde qui a travaillé sur le dossier ça depuis lundi dernier et travail pour les judiciaires a fait depuis quelques temps. En ce temps, on a fait un cours et nous avons été la plus conséquente à samedi et nous avons joué une réponse très bientôt. Abdil la presse. Bonjour. Sous deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas bail résultat enquête sur ce qui passe la Saline, sur ce qui passe Matissa. Et on a fait la presse connaître que chaque dossier a spécificité. Ça veut dire que dossier a traité, enquête là a poursuivre, il faut que nous tenions résultat enquête là. C'est même genre. Depuis avant hier, il y a eu un crime qui fait, nous n'avons pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien l'enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous avons prononcé la presse et nous avons dit que l'autorité a continué le travail. Au fur et à mesure, il y a des éléments d'information qui sont disponibles. À chaque fois, il y a continué à faire. En plus, fois, la police ou bien l'État a beaucoup réagi, nous avons des côtés. Là, il réagit rapide par rapport à l'élément, il y a des gens qui ont été étonnés parce qu'il y a des gens qui ont été étonnés. Donc, l'autorité de travail, il y a des données déjà, il y a commencé à gagner en plus, le gain de neuf, n'a pas retourné pour nous communiquer à la presse, Jean que nous toujours fait. Merci un peu, bonne journée, bon travail. L'important pour noter que la presse, lui-même tout, fait partie de toute enquête. Un journaliste, pas oublier où c'est le quatrième pouvoir, ou une responsabilité ou même tout pour enquêter, pour suivre avec les institutions d'enquête, pour même pour gagner propre données. Gagner des bagages, parfois c'est vous-même qui révélez à la société. Merci beaucoup. Voilà, merci avec tout le monde qui débranché, qui a attendu des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que vous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Toujours songez pour activer cette cloche là. L'a dit. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher vous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Agréable soirée si c'est matin. Matinée.